À tous, c'est Roméo Cournal et vous êtes sur enforma.com, le site qui libère les esprits et qui élève les consciences des femmes et des hommes fiers d'être riches, épanouis et heureux. Le monument que vous apercevez derrière moi est le mémorial du Cap 110 dans la ville du Diamant en Martinique. Et c'est l'occasion pour moi de reprendre avec vous ce que j'avais appelé l'apologie du Negmaron. Alors, qu'est-ce que Negmaron et pourquoi en faire une apologie ? Vous allez voir que c'est un archétype en fait dont je me sers et que je trouve très 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 actuel aujourd'hui. À l'époque coloniale, donc les Africains qui étaient donc déportés ici en Martinique et dans la Caraïbe en esclavage étaient donc transportés par bateau négrier et dont l'un justement s'est échoué dans les parages d'où le mémorial du Cap 110. Mais en fait, ce que je voulais approcher avec vous, c'est justement la notion de marronnage. Alors, je sais que j'ai un accent très prononcé, mais je dis bien marronnage et non pas marronnage, parce que le terme n'existe pas en français, c'est un terme créole. Donc c'est bien du marronnage que je parle, et je parle bien de nègre marron, et non pas de nègre marron, d'accord? Alors, qu'est-ce que nègre marron? Le nègre marron, c'est finalement quelqu'un. Et c'est là que je trouve qu'il est exemplaire aujourd'hui. C'est quelqu'un qui, en fait, ne s'est pas battu pour sa liberté, pour la bonne et simple raison qu'il ne l'a jamais perdu. Le nègre marron, les premiers nègres marrons, à mon sens, sont ceux qui, justement, ne reconnaissant pas le pouvoir colonial et refusant la déportation, se sont jetés eux-mêmes par-dessus bord. Vivre libre ou mourir, disait un révolutionnaire français quelques années après. Et dans les faits, c'est véritablement ça. Maintenant, on connaît le marronnage précisément par rapport à ces esclaves, en fait, qui sont arrivés effectivement en déportation, qui sont arrivés dans les colonies, mais qui ont fui finalement, en tout cas se sont soustraits. J'aime pas trop le terme de fuite. Hein. Pour moi, ils se sont soustraits à un pouvoir qu'ils ne reconnaissaient pas, tout simplement. Tout simplement. Et c'est là que ça devient intéressant jusqu'à aujourd'hui, et à mon avis c'est une leçon d'humanité, donc elle est totalement universelle. Je rencontre beaucoup de gens qui cherchent à gagner leur liberté. C'est bien beau, c'est très bon. Certains y arrivent au prix de maintes pérégrinations et maints efforts. Et l'exemple pour moi du nègre marron aujourd'hui, c'est que précisément, le nègre marron, lui, s'est pas battu pour sa liberté parce qu'encore une fois, il ne l'a jamais perdu. Et c'est une conscience finalement, c'est une conscience de liberté qui fait que, je suis a priori ou opprimé ou très fortement engagé dans une démarche dans laquelle je ne veux pas, je ne me retrouve pas. Et bien du coup, je m'y soustrais. Et après, ce pouvoir, cette influence, et n'y voyez là vraiment aucune subversion en fait de ma part, mais c'est un véritable appel à la liberté, mais à la conscience de liberté qu'on a déjà. On a souvent l'oppression finalement dans nos vies quotidiennes de la part de l'autre. Je parlais la semaine dernière du regard de l'autre. Je disais qu'il valait mieux respecter le regard de l'autre plutôt que de chercher à s'en foutre, finalement, à ne pas à entrer dans la rébellion. Parce qu'encore une fois, on n'est jamais autant soumis que dans la rébellion. Mais au-delà de ça, on a d'autres oppresseurs, j'ai envie de dire, qui sont des oppresseurs sociaux. On a bien sûr le regard de l'autre, le regard de la société, le schéma parental. On a l'histoire et l'héritage atavique. On a les pensées philosophique, politique, religieuse et commerciale, j'ai envie de dire. Et ce que je vous invite à considérer aujourd'hui, c'est justement à voir dans quelle mesure est-ce que vous pouvez non pas gagner votre liberté, mais exprimer celle que vous avez déjà. Vous m'avez déjà entendu dire que si au départ vous n'êtes pas libre, à la fin vous ne le serez pas, hein. C'est toujours cette fameuse loi d'agriculture, comme disent certains, la loi de cause à effet. Si je pars du principe que je ne suis pas libre, à la fin, je risque de l'être encore moins.
si je pars du principe que je suis libre fondamentalement, et donc je dois agir comme si effectivement je l'étais, comment agit un être libre? Libre de son passé, libre de ses traumatismes, libre de son histoire, libre de son environnement, libre des messages contraints, philosophiques, religieux, commerciaux, libre de tout ça. Et finalement, comment on agit quand on est soi-même? Si j'étais moi-même, c'est la question que je vous invite à vous poser, si j'étais moi-même et si je n'étais pas contraint par tel ou tel message, comment j'aurais agi? Et à partir de ce moment-là, en fonction de l'environnement qui est le mien, ben, je me positionne et je dis, bon voilà, je fais ça. Le Negmaron, il a été effectivement déporté sur une terre qu'il ne connaît pas. Donc son environnement était une île, lui qui était habitué au continent. Et donc il s'est simplement soustrait, il n'a pas repris la mer parce qu'il n'est pas marin. Mais dans le même temps, il n'a pas vécu en esclavage parce qu'il n'est pas esclave. Et très clairement, dans sa tête, il ne l'était pas. Et c'est pour ça qu'il ne s'est jamais battu, pour finalement gagner quelque chose qu'il n'a jamais perdu. Voilà, c'était ma réflexion un petit peu polémique du jour. Je vous invite à bien y réfléchir. Alors, quand j'ai publié le podcast il y a quelques mois déjà, on m'a dit, oui, mais les Negmarons, ils attaquaient les habitations. C'est vrai, ils attaquaient les habitations, mais non pas pour libérer non plus leurs frères, mais simplement pour y trouver des subsistances. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que depuis William Lynch, les gardiens finalement des habitations étaient d'autres esclaves eux-mêmes, en déportation plutôt. Le lapsus est révélateur. Et qui se sont donc vus érigés finalement en gardiens de la plantation et qui défendaient la plantation contre les attaques de personnes qui sont arrivées dans le même bateau. Ça fait réfléchir, hein. Donc voilà, je laisse tout ça à votre réflexion. Donc la liberté, oui, mais si je suis libre aujourd'hui, si j'ai ma conscience de liberté aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais? Plutôt que de chercher à devenir libre, si je suis libre aujourd'hui, comment j'agis? Comment je pense? Comment je me porte? Comment je me comporte? Comment je mange? Comment je marche? Comment je vis? Comment je mange? Etc. etc. Voilà, c'est cette réflexion que je vous amène à avoir. Je continue mes pérégrinations en terre martiniquaise. Je vous souhaite tout le meilleur, amusez-vous bien, vivez fort et de mieux en mieux. Allez, ciao !